Salut à tous, aujourd'hui c'est Flo et Anto. Et pour l'épisode de Noël, on visite un pilier de l'urbex, c'est le manoir Ozan Selamet. Et aujourd'hui on est accompagné donc de Margot. On a déjà vu pour plusieurs épisodes dans le château Marcus, Elix, enfin, maintenant c'est une habituée. Et de nombreux autres. Avant de commencer cette visite, on souhaitait, tous les trois, vous souhaiter un joyeux Noël. Ouais, c'est une merveilleuse fête de famille et c'est important, très important de toujours... Enfin bref, on s'en bat les couilles. Joyeux Noël. La visite de jour s'est assez mal passée, étant donné qu'on est tombé nez à nez avec le gardien. On le répète, ce lieu est gardé par un gardien et il est vraiment interdit d'accès. Anthony s'est fait niquer comme une merde. Margot l'était calée sur un arbre. Et là, d'un coup, je la vois courir. J'étais en train de faire des photos, je l'ai vue courir. Elle court et tout. Et Mathieu, je fais quoi ? Et là, d'un coup, je sais, je fais putain, ça te scie. Elle court, ça tombe mal. Et là, je commence à entendre un tracteur. Et là, on s'est caché comme des rats dans un petit coin comme ça. On s'est caché. Et sauf qu'Anthony, il était en haut, en train de faire des plans à l'osmo. Et du coup, je me suis dit, c'est mort, il va se faire cramer direct. Et vas-y, raconte après comment ça s'est passé. Il est arrivé avec son tracteur, il s'est planté juste devant, et puis moi, je me suis caché dans un des piliers, comme ça. Et du coup, il m'a pas vu. Et après, j'ai eu l'idée de rentrer dans le lieu. Sauf que, ben, comme un con, au lieu de prendre les escaliers, je me suis mis dans le cachot. Et du coup, ben, je suis resté enfermé. Et du coup, ben, il m'a accueilli comme une fleur. Et ben, du coup, on a pu communiquer avec lui. Il nous a raconté l'histoire de ce lieu. Les amis, l'histoire de ce lieu risque de rendre la visite très intéressante. Pour connaître l'histoire de ce lieu, il faut remonter en 1920. Ce manoir fut appartenu à une riche famille propriétaire d'une grande industrie agroalimentaire. Tout se passe pour le mieux. C'est en 1960 que la famille vend le manoir. Pour cause, l'agrandissement de la société familiale à travers l'Afrique. En Afrique, ils trouvent acheteurs, deux frères gabonais qui achètent le manoir en 1962. C'est en 1965 que rien ne va plus. L'un des deux frères sombre avec sa femme dans l'alcoolisme. La tension monte entre les deux familles jusqu'à ce qu'un frère décide de quitter le manoir avec sa famille. C'est donc seul que nos deux passionnés d'alcool vivent avec leur enfant dans le manoir. En 1968, l'homme fut retrouvé mort dans le manoir par le gardien. Aujourd'hui, les enfants des deux frères sont en désaccord total sur le futur de ce manoir. En attendant, c'est l'avenir de ce manoir qui est en jeu. Ce qui est impressionnant dans ce manoir, c'est qu'il y a plein de cuisines. Il y en a une là-bas. Et si je dis pas de conneries, il y en a une à l'étage. Ouais. Il y a énormément de cuisine, n'empêche ici. C'est abusé. Je pense qu'il devait, y avoir des concierges ici, tu sais, qui devaient leur faire de la bouffe. Ouais, je pense. Tu crois? Parce que ça, c'est des cuisines de restaurants, presque. Enfin, des petits restaurants. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, avec la grosse hotte, comme ça. Tu vois, la grosse hotte et tout, c'est pas dans des cuisines normales, quoi. C'est... Donc là, on se trouve dans la pièce, dans l'entrée en fait, avec le grand escalier, etc. C'est vraiment magnifique, on se sent vraiment tout petit à l'intérieur. C'est très très grand et nous, on est vraiment très petit. C'est abusé. Donc là, on va se diriger tranquillement dans ce qu'on pourrait appeler le salon. Donc le salon, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Avec un gros lustre. Avec, là, ici, on imagine qu'avant, ça devait être hyper, hyper chic, avec du mobilier de partout et tout. Là, aujourd'hui, il reste vraiment des pauvres trucs, quoi. Il reste un vieux siège. Les armoires, elles sont totalement vides. Les lits et les canapés sont totalement dévastés et tout. Mais on peut vite s'imaginer qu'avant, ça devait être vachement beau. Tout en bois, comme ça, ça fait assez manoir à l'américaine, un peu. Hein, ça fait un peu manoir à l'américaine, comme ça, avec des gros lustres et tout. Ça fait très très riche, très très bourgeois.
Il y a tout un empiècement en bois. Je pense que ça ressemble un peu à une bibliothèque ou alors à un... Avec un canapé au milieu. Ou avec des verres. Tu sais, des verres. Et ici, il devait y avoir une grande table, tu sais, pour la réception. Peut-être une salle de réception. Mais c'est vraiment immense. Avec les lumières et tous les détails, ils ressortent plus en fait. Sur la cheminée, toi, j'avais pas vu qu'il y avait du lierre, des petites fleurs dessus, je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait... Simplement parce que le jour quand on vient, on est en confiance. Du coup, quand on vient dans le lieu, on est là, on se balade, on prend des photos, mais on prête pas d'attention à ce qui nous entoure. Mmh. Alors que la nuit, quand on vient, on fait tellement attention à tout, et puis on a un peu l'angoisse, un peu d'adrénaline, du coup que tu prêtes l'attention de partout. Et du coup, il y a des choses que tu faisais pas attention avant. Mmh. Merci, professeur Bertini, pour cette intervention. De rien, madame. À votre service. La dernière vérification des extincteurs, ça date de 1972. D'accord. Ça tient aussi avec ce qu'il nous disait tout à l'heure le gardien. Ouais. Qu'il a été abandonné. Lui, il était petit, ouais, etc. Ouais. Ça tient bien avec ce qu'il nous disait. Donc, il y a de grandes chances de tout ce qu'il nous a dit. Ben, c'est tout vrai. Ces anciennes bouteilles Tropicana en verre. Pur jus d'orange. Elle est belle, moi, je trouve. Ouais. Je vais la ramener. Un lieu qui a été abandonné il y a à peu près 50 ans. C'est vraiment impressionnant comme il est propre, quoi. Il y a tout qui est bien entretenu, il y a pas trop de casse, quoi. Il est cassé, mais ça fait 50 ans qu'il est abandonné. Je trouve qu'il est quand même en bon état pour l'âge. Enfin, il a jamais été rénové entre temps. Donc, vraiment, il faut vraiment que ce lieu reste secret. Pas beaucoup de gens qui sont venus ici qui ont eu la chance de le visiter. On peut pas prendre ces escaliers-là parce que, comme vous le voyez par terre là, il y a une grosse flaque d'eau. Il y a une infiltration d'eau. Ce lieu est très dangereux. C'est pour ça que le gardien ne veut pas que personne, ne veut pas que les gens pénètre dans ce château. C'est pas parce que c'est une propriété privée, enfin certes oui, mais c'est aussi que s'il y arrive quelque chose dans ce lieu, il est en partie responsable et ça lui fait des problèmes. C'est pour ça que on va pas passer par cette partie là, on va passer par une partie qui est un peu plus en meilleur état. Et histoire de ne pas traverser. Ce serait con qu'il ait des problèmes à cause de nous, quoi. Ces escaliers, c'est une des parties les plus jolies de ce manoir. Enfin, pour moi. Ils sont très impressionnants et ils sont très bien conservés, tout en bois massif. C'est vraiment beau. C'est un truc de dingue. Moi, c'est la partie que j'adore de ce manoir. Donc là, on est au premier étage. Donc ici, on va commencer à avoir des chambres. On va commencer à avoir des lits, etc. Vous allez voir que c'est assez aussi en mauvais état. La nature a vite repris ses droits dans certaines pièces. Des infiltrations d'eau, etc. C'est assez dangereux de pénétrer ici, sachant que à tout moment le plancher peut s'écrouler. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, au couvent du diable. Ouais. Tu sais, vraiment, à tous les urbexeurs, je pense que ça sert à rien que vous visitez ce lieu. De une, vous vous mettez en danger. Et de deux, le lieu n'est plus aussi beau qu'avant.
Ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est qu'on sait qu'il y a eu de véritables morts. C'est pas des on-dit, etc. C'est vraiment le gardien, qui est le père du gardien, qui a vraiment vécu ça, quoi. Il l'a vécu, c'est lui qui a habillé le mort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la personne, elle est morte. Elle était sur le lieu. Et elle est restée ici. Le papa du gardien est venu, l'a nettoyé, l'a changé et l'ont remis sur le lit. Il y a une phrase qui m'a interpellé tout à l'heure. C'est la femme de la personne qui est morte ici qu'elle a dit laisse-le coucher comme ça. Ouais, secoue-le pas trop, il dort. Ça veut dire qu'elle était tellement bourrée qu'elle a même pas vu que son mari était mort. Donc c'est très impressionnant. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de savoir si cette entité, elle est dans les lieux, etc. Sachant. Les amis, je pense, je dis pas que c'est une entité qui a fait ça, mais je pense que ce serait vraiment cool qu'on reste un sacré moment dans les pièces où il y a des chambres. On sait pas dans quelle chambre il est décédé, mais ce serait... Quand il a parlé du décès, il a regardé la partie droite. Ouais, il a regardé la partie droite. Les chambres que t'as dit, ça faisait flipper. Ouais. Je pense qu'il est mort là-bas. Ce qu'on va faire, c'est chaud quand même. On va continuer la visite, on va monter dans les étages, on va vous faire visiter le lieu. Après tout, vous êtes là pour ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans des chambres et on va faire des expériences. On va en faire plusieurs. Histoire vraiment d'avoir des véritables... Voir si on peut avoir de véritables choses. Si ça se trouve, c'est une infiltration de vent, ça, ce bruit qu'on entend. Ouais, après, tous les bruits sont explicables. Faut pas trop paniquer. Donc du coup, ça peut être des bruits explicables. Faut pas non plus... tout interprété en paranormal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre visite. Et après, on fera un appel paranormal, voir s'il y a quelqu'un ici. S'il y a une entité ici. On verra bien. Mais l'ambiance est un peu plus pesante que tout à l'heure. Je sais pas si c'est parce qu'on a entendu le bruit ou pas. Mais on verra ça après. Paranormal, voir s'il y a des choses qui se passent.
apparemment, c'est des traces de chien. Ça ressemble beaucoup. Donc je pense qu'ici, régulièrement, il doit y avoir peut-être des sans-abri qui viennent ici pour se protéger du froid, du vent, et ils amènent leurs animaux de compagnie. Remarque, il fait pas si froid que ça à l'intérieur, donc c'est compréhensible quand même. Tu vois, ça correspond avec ce qu'il nous disait, que ça a été un peu abandonné dans les années 1975-80, tu vois. Parce que ça, les interrupteurs et les prises, comme ça, ça a été utilisé dans les années, entre les années 70 et 80. Du coup, voilà, je pense que ça correspond avec ce qu'il nous disait. Quand on vous dit que ce lieu est vraiment dangereux, c'est vraiment très dangereux. Vous voyez ce sol-là? Je pense qu'il supporterait même pas plus de 80 kilos. Il suffit que vous passiez avec votre pote là, vous traversez, vous plantez une branche là, un morceau de bois là, vous restez pendu, vous crevez comme une merde. Si vous vous en sortez bien, vous vous pétez les jambes, les deux côtes, et puis vous attendez comme une merde 24 heures pour qu'on vienne vous chercher. Non, vraiment, faut faire vraiment très 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 gaffe. C'est pour ça qu'on est venu en plein après-midi. Comme ça, il faisait jour à l'intérieur du lieu. Et on a pu voir ce qui allait, ce qui allait pas, etc. C'est pour ça qu'on va éviter de passer par là, etc. Mais c'est impressionnant parce que les lits sont... T'sais, ça fait les lits d'enfants, tu vois. C'est les deux jumeaux. C'est, ouais. C'est les deux jumeaux frères et sœurs, tu vois, ou frères et frères. Et ils étaient couchés assis avec ici avec leur petite table de chevet à côté parce qu'ils avaient peur la nuit. Enfin, je sais pas, c'est... On dirait que c'est dans les films d'horreur ou les films qui font peur, là. Ça me fait penser à Supernatural, tu vois. C'est quand ils dorment et tout. Non, mais c'est vrai. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Les lits, c'est les mêmes. Ils sont mis... T'as l'impression qu'ils sont mis à égale distance de partout. Regarde là-bas, là au milieu, là. C'est impressionnant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est symétrique. C'est impressionnant. De The Hunting of Hill House. C'est riche de faire garder. Je connais pas. Mais c'est riche de faire garder. C'est quoi ça? T'as les jumeaux qui tombent dans la même chose. Ah oui, exact. Qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Nous sommes pas là pour vous déranger. Nous sommes là essentiellement pour visiter ce lieu qui est laissé à l'abandon. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, vous pouvez vous manifester avec un bruit quelconque. Est-ce que notre présence vous dérange? N'hésitez pas à vous rapprocher de nos caméras. Vous pouvez vous rapprocher, venir vous manifester auprès de nos caméras, faire des bruits de porte, des bruits de pas. Et si on vous dérange, n'hésitez pas à vous manifester par un bruit quelconque.
vais répéter la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Vous pouvez vous manifester avec un bruit, n'importe lequel, pour montrer que vous êtes là, autour de nous. Alors on a su cet après-midi que ici il y a eu quelqu'un qui est décédé une nuit. Est-ce que cette personne est avec nous ? Nous ne sommes pas ici pour détériorer le lieu. Nous visitons juste ce lieu et nous voulons vérifier si ce lieu est encore habité. Alors je vais aller dans la salle de bain. Puis là, je vais traverser. Je suis arrivé dans une chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? S'il y a quelqu'un avec moi, faites un bruit quelconque. On a entendu un bruit à deux reprises, une fois cet après-midi et une fois ce soir, à notre venue dans le lieu. Est-ce que vous pouvez recommencer ce bruit ? On va aller dans l'autre chambre. On est dans une autre chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? On a entendu des bruits. Est-ce qu'on vous fait peur ? Est-ce que notre présence vous impressionne ? N'hésitez pas à vous manifester avec un bruit quelconque. Est-ce que vous avez la possibilité de taper contre un mur ? De faire un murmure, de crier, de parler. N'hésitez pas à le faire auprès de nos caméras. On ne vous veut aucun mal. On est là pour visiter le lieu et montrer que le lieu a un passé. Vous pouvez vous manifester auprès de nos caméras. Et si on vous dérange, faites un bruit quelconque là, maintenant, tout de suite. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'était vachement calme. Que parfois, ben, il faut avoir de la patience, il faut répéter souvent les questions. Et parfois, comme là, on n'entend vraiment rien. Des petits bruits, mais franchement, c'est le bois qui craque, des gouttes d'eau qui tombent au sol. C'est rien qui peut nous faire dire « Ah, tiens, on a eu une réponse » ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment très très calme pour l'instant. On verra bien par la suite. On va se diriger vers une autre chambre, on va faire le même test.
Et on va voir si on a des réponses. Si on n'a aucune réponse, on quittera les lieux et on n'y retournera plus jamais. On se trouve dans une autre chambre. Enfin, il y a un lit. On peut voir qu'il y a aussi une salle d'eau juste à côté. Et je pense que ça correspond un petit peu à ce qu'il nous avait dit, tu sais, quand il a dit qu'il lui a sorti du lit et qu'il l'a traîné jusque dans la salle de bain pour le laver. Je pense pas qu'il l'a traîné du lit, qu'il a monté et descendu des escaliers. Attends, à côté de chaque chambre, en fait, t'as une salle de bain. Encore une fois, ça correspond exactement à ce qu'il nous disait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans cette salle ? On a appris que quelqu'un était décédé dans les années 70. Est-ce que aujourd'hui vous habitez ici ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque, déplacer quelque chose, claquer une porte, taper sur un mur ? Tout à l'heure, on a entendu un drôle de bruit, une sorte de sifflement. On l'a entendu deux fois, est-ce que vous pouvez le refaire ? C'est relativement calme, on n'entend rien. Peut-être qu'au montage, on va entendre des bruits, on va entendre des réponses. Tout ça, ça sera au montage. Mais ici, on n'a rien entendu de particulier. Donc pour nous, on n'affirme rien. Mais oh, j'en veux. Un stop tout. Chaque exploration, il faut quelque chose. On n'a pas de jus de tomate, on a un stop tout. Merci Marco. Pour nous, ce qu'on disait, je pense pas que ce lieu soit hanté. Peut-être que d'autres urbexeurs ou d'autres personnes qui vont habiter les lieux, qui vont y rester pendant plusieurs temps, vont avoir des manifestations bien plus évidentes que nous, et ils pourront dire que oui, effectivement, ce lieu a des entités. Nous, pour l'instant, je pense que on n'affirme rien parce qu'on n'a pas encore déroché nos plans, etc. Mais pour l'instant, c'est relativement calme. Quelques bruits qui font un peu froid dans le dos, mais dans l'ensemble, c'est un château, c'est un manoir. C'est quelque chose qui a eu du vécu, il y a eu des morts. Donc c'est normal, mais on n'a pas eu de réponse à nos questions. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Ça a été relativement assez calme, malgré qu'il y a eu un bruit tout à l'heure. Après, on ne sait pas, on verra en post-production. Donc c'était un lieu qui est relativement grand, mine de rien, qui s'étend sur 3 étages. On a entendu quelques bruits. Après, je pense que le reste, on le verra en post-production. Peut-être qu'on va entendre des bruits qui répondent plus à nos questions, qui nous prouvent que ce lieu a vraiment des entités. Pour l'instant, on se prononce pas, mais c'était relativement calme. Et toi, Marco, t'en as pensé quoi? J'ai eu peur à cause du bruit. T'as eu peur? Ouais, t'as après, ça a été... C'est vrai que le lieu, il est impressionnant, en fait. Par rapport au jour, il est très impressionnant. En tout cas, on vous souhaite un joyeux Noël. Et on se retrouve au studio pour voir s'il y a eu des bruits paranormaux. Salut à tous, c'est Flo Yanto. Flo est derrière la caméra. Fais un petit coucou. Salut à tous. C'est bon, le plan est nickel? C'est tout parfait. C'est super. Donc si la mise au point est à chier, faudra mettre Florian est nul à chier. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas nul à chier. Avant de commencer le débrief avec vous, on aimerait vous dire que dans cette vidéo, on a choisi un objet qu'on a filmé, donc qui est présent dans cette vidéo. Pourquoi on l'a choisi ? Pour la simple et bonne raison qu'on vous fait gagner un bracelet connecté. Alors pour participer justement à tout ça et gagner ce bracelet, vous avez juste à mettre en commentaire le nom de l'objet. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner, etc. Ça soutient.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Insta. On poste régulièrement des photos de qualité, on essaie de étalonner nos vidéos, enfin bref, c'est vraiment du bon contenu et on espère vous y rejoindre. Bon, maintenant on va passer au débrief. Alors pour commencer, on va vous expliquer un petit peu comment est le lieu. Alors en fait, il faut savoir que le manoir est au bon milieu d'une plaine de 10 hectares surveillée par un gardien. Et ils sont même deux gardiens. Il y a le père et son fils. On n'a pas eu de chance, on est tombé sur le fils qui était très mal luné ce jour-là. Et ça s'est assez mal passé la journée, on a reçu des menaces, etc. Bon bref, après on a pu calmer la situation, on a pu nous expliquer l'histoire du château. En fait, l'histoire elle est assez simple. Ça a été à une société, le manoir a été à une société. Ils ont vendu ça à des personnes qui, malheureusement, l'argent est monté très vite à la tête. Ils ont bien picolé et puis le manoir s'est retrouvé vite à l'abandon. Lorsqu'on était dans le lieu, la visite de jour, on a entendu le premier bruit. Alors le premier bruit, ça a été comme une femme qui chantait, comme une petite fille, comme si quelqu'un... Ouais, c'était ça, Flo, hein, comme une ouais, fille qui chantait. Ouais, c'est bizarre. Une sorte de murmure, un chant murmuré, quoi. Sur le coup, on s'est pas vraiment chié dessus parce qu'on s'est dit, voilà, ça peut être le gardien. Enfin, bref, on s'est dit plein de choses et puis c'était le jour, donc c'était assez rassurant. Et puis quand on y retournait la nuit, on a entendu exactement le même bruit. Alors après, est-ce que c'est un animal? C'est possible. C'est possible que ça soit le vent, c'est possible que ça soit un animal, c'est possible que ça soit tout plein de choses. Mais on a aussi une possibilité. On sait que les parents buvaient. C'était des personnes qui étaient malheureusement alcooliques, dépendants de l'alcool. On sait que généralement, chez ces genres de parents, il est amené à avoir une violence, une certaine violence envers les enfants. Malheureusement, quand la personne nous a parlé, elle nous a parlé d'une propriétaire. Et en fait, on s'est dit avec Florian, et si au final, il n'y avait pas plusieurs filles? Est-ce que justement, à cause de l'alcool, ils n'ont pas tapé une de leurs filles et elle est vraiment décédée dans le lieu? Avec Flo, on s'est vraiment demandé ça, on n'a rien trouvé, donc on ne peut rien vous affirmer. Mais c'est peut-être possible que durant cette visite, la petite fille qu'on entend chanter, c'est peut-être une des filles qu'ils ont tué durant leur soirée de beuverie. Après, l'autre point aussi qui est assez particulier, c'est que sur ma caméra à moi, donc pas spécialement sur ta caméra Flo, mais sur la mienne, on entend une sorte de grésillement, mais qui vient assez régulièrement. Magnifique, on se sent vraiment tout petit à l'intérieur. Et malheureusement, Flo, Margot et moi, on a totalement déconnecté nos téléphones pour pas que ça vienne perturber et pour pas que ça vienne nous casser les couilles. Et ce son, il vient assez régulièrement. Donc ça vient, je sais pas, ça fait... Et des fois, il y a un moment donné, à ce moment-là, on peut voir que le son, il fait un son assez particulier. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu... Donc ça, il y en a qui vont dire que c'est des choses paranormales. Moi, je vais avoir tendance à dire que c'est plus relationnel, vu que c'est que sur ma caméra. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être ma caméra qui fait des surchauffes, ou je sais pas, peut-être que mon micro commence à rendre l'âme. Avec Flo, avec du recul un petit peu, on pense pas vraiment que ce lieu soit vraiment hanté. On pense plus que ce lieu a eu du vécu. Il y a eu des personnes qui sont peut-être décédées dedans. Enfin, même sûr, on a une personne qui est quand même morte dedans. Moi, pour moi, c'est un lieu qui a énormément de tristesse. Voilà, c'est un lieu qui est triste, mais c'est pas un lieu pour moi qui est tenté par des esprits qui veulent vraiment jouer, etc. Pour moi, c'est un lieu qui a du passé, c'est un lieu qui a une tristesse, qui a malheureusement eu une bonne vie au début, mais qui a fini entre guillemets de mauvaises mains, et aujourd'hui, il se retrouve à l'abandon. Malheureusement, aujourd'hui, c'est son futur qui en dépend, et juste une chose à vous dire, en commentaire, vous me le dites, pour vous, la femme qu'on entend, est-ce que c'est vraiment la fille du propriétaire qui est mort ou pas ?